Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du Vestian Dynasty, le dernier gun qui vient de sortir, donc un gun secondaire qui est une sorte d'arme de poing, sauf que bien évidemment elle ne sera pas aussi efficace qu'un gun que l'on porte en arme principale, il faut bien s'en douter. Un petit zoom sur ses capacités, en l'occurrence un impact vraiment très très faible qui rendrait l'arme quasiment inutile, si ce n'est que sa cadence, sa stabilité et sa vitesse de rechargement semblent assez impressionnantes, ou du moins suffisamment pour qu'on y prête attention. D'après certaines infos relayées sur divers sites internet, cette arme posséderait une spécificité contrôlée déchue, spécificité dont malheureusement nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Nous l'avons vu dans le gameplay du précédent livestream de Bungie que cette arme possédait un dégât cryo-électrique. La question est-ce que c'est un dégât fixe ou est-ce que cette arme pourrait être lootée avec plusieurs dégâts, par exemple solaire, abyssal? Une info qui, là encore, reste en attente de confirmation. Pour ce qui est de sa capacité physique, nous avons 15 munitions dans le chargeur pour un total de munitions portées à 75. Et pour ce qui est de la façon dont on pourrait éventuellement le looter, là encore, grosse déception, nous n'avons pas plus d'infos pour cette arme. En l'occurrence, c'est une arme qu'on a brièvement aperçue dans un livestream de Bungie. Ils ne nous ont pas donné plus d'informations. Nous n'avons pas eu en parallèle l'occasion de la tester chez Bungie directement dans les studios. Le mystère reste donc entier concernant cette nouvelle arme. Tout ce que je peux vous donner pour terminer, c'est une théorie qui se révèle être générale et qui est liée directement au nom de cette arme, le Vestian Dynasty, puisqu'il faut savoir que le nouvel espace social du récif se nomme en vérité le Vestian Outpost et que donc en l'occurrence, beaucoup de personnes se sont mises à imaginer qu'il pourrait s'agir d'une récompense qui serait éventuellement donnée par l'Ire de la Reine Petra Venge, comme l'avait fait autrefois Eris lorsque nous avions rempli une mission du mode histoire. Elle nous avait donné, souvenez-vous, des gants légendaires et donc ce pourrait être ce même genre de récompense qui nous permettrait de looter ce fameux Vestian Dynasty. On a fait le tour de cette arme, malheureusement c'est très très court, mais comme d'habitude, comptez sur nous pour vous donner les informations dès que nous les avons. Nous n'hésiterons pas à partager tout ce que nous pourrions obtenir d'informations supplémentaires au sujet de cette arme. À votre tour, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire part de vos avis et vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous!